Eh, on en parle de la canicule là, comment il fait chaud. Je peux même pas sortir dehors tellement qu'il fait chaud, sinon je vais fondre comme un garçon. Tellement que je suis transpirant, on dirait un poulet rôti, s'il vous plaît, regardez comment je brille. Bref, du coup, comme je peux pas aller au restaurant pour prendre mon petit cocktail, je vais faire ça tout seul. Vous prenez un peu de grenadine, pas trop, hein, ok? Avec des glaçons. Ensuite, vous mettez de l'orangina. Je vous jure, les gars, c'est la meilleure recette pour vous rafraîchir. Pour tous ceux qui vont critiquer ma recette là, vous allez dire, ouais, c'est une vieille recette et tout. Quand votre gros gosier sec là, il va me remercier, vous allez voir comment c'est bon. Mais s'il vous plaît, regardez comment ça donne envie, c'est pas trop beau. Un ravi par ci. Ça désaltère, c'est déclassé, c'est ancre. C'est ancre, c'est bien sucré, bien frais. Là, ma gorge, elle revit. D'ailleurs, écoute, j'allais manger ma pasta box chaude, là, Karine. Vous êtes fous? Vous avez vu comment il fait chaud? Je mange tout froid. Aujourd'hui, même les pâtes, là, j'ai mangé froid. Promis, incroyable. Encore une salade de pâtes, trop bon. Non, mais les gars, vous avez pas compris que même ma pizza, je vais la manger crue. Je m'en fous, en fait, il fait trop chaud. Pourquoi j'ai mangé un truc chaud? Non, je mange tout froid. Franchement, là, je m'en fous, j'ai trop chaud. Genre, je sue. Je sais pas si vous comprenez le français, mais là, je sue. Là, c'est trop bon. Une glace au fromage, incroyable. En fait, là, vous pensez que je vous blague et que je fais semblant. Mais je vous jure que tellement qu'il fait chaud, la pizza, elle a déjà cuit. Là, la pizza, elle est chaude. On dirait, elle sort du four carrément. Franchement, essayez, vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, moi, j'aime trop, désolé, c'est déclassé. Silencio, por favor, vamos a escuchar a Antonio. Catalina, siéntate, por favor, vamos. C'est bon? Sí. Hola a todos, ahora vamos a hablar de la guerra de México. La guerra, 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 no guerra. Guerra, guerra. Que se pasa en 1822, podemos ver esta pintura que muestra. Pintura, pintura, por favor, Antonio. Pintura, pintura. Ok, que muestra su colorida preferida, que es el rojo. Hay muchos... ¡Roja! Oui, excuse-moi. Hay muchos hombres y toreadores... Antonio, un effort de prononciation, c'est toreador. Et si je te dis... ¡Nick, tout est mort! T'as compris la prononciation, là, c'est bon! La puerta. ¡Vas-y! On a fait le swimming pool, pause chaleur. Perdona, pero estamos locos. Estamos locos. Est-ce que tu penses que je peux t'impressionner? Non. Ok, je vais te prouver le contraire. Toutes les cartes sont différentes. Ok. Je peux mélanger. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Stop ici, t'es sûr de toi? Vas-y, tu prends la carte, tu la regardes, tu la montres à la caméra et tu me la montres pas, ok? Est-ce que tu penses que c'est possible que j'ai pu prédire ta carte? Non. Et qu'elle soit sous tes yeux depuis le début? Non. Tiens, est-ce que tu peux regarder derrière toi? En fait, depuis le début, il y a une grosse carte géante. Viens, suis. Non, c'est impossible ça, wesh. Suis. C'est des blagues ça. Vas-y, attends, viens. Depuis le début, elle est là. Je te laisse la soulever toi-même. Ça peut être ça, les gars, wesh. Vas-y, je te laisse. Mais c'est ça, je vais mettre une patate, man. Oh! Tiens, venons, on y va, les gars, c'est chelou. Venons, on y va, c'est chelou. C'est quoi ça? Abonne-toi, chacal, abonne-toi. Ouais, bizarre. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là, cette question? Allô, Inox? Je sais pas, je voulais qu'on revienne dessus, vite fait. Ah ouais? Bah frérot, moi, je veux pas pécho Elsa, moi, tu le sais très bien. C'est quand même... T'as pas dit ça exactement dans la vidéo. Bon oui, ok, je veux foudroyer Elsa, il y a un problème maintenant. Non mais, en vrai, les gars, je tiens à dire un truc sur ça, parce que gros, tu sais que j'ai eu plein de messages de gens, ils disaient... Inox, c'est pas ton vrai pote. Ils disaient en mode, t'inquiète, faut pas en vouloir à Inox, ce qu'il a dit, en fait, c'est bien quand même et tout. Genre, ils pensaient que je t'en voulais. Mais non, les gars, moi et Michou... Bah, tu lui en veux, non? Non, on s'en veut pas. Mais qu'est-ce que tu racontes, Balou? Vous essayez pas de commencer à dire de la merde, non, là. Non, y a pas d'embrouille, frérot. Moi, il sait très bien, frérot, que Elsa, je suis pas du tout intéressé. Je m'en bats les couilles des meufs, frère. Parce que... Ton cœur est pris. Oh hey, frérot, lance la game de Fortnite, frère. Lance la game de Fortnite. Banana. 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 Bah, le jeu, comment il s'appelle? Bah, pierre, feuille, ciseaux. Bah, voilà, t'entends un puits là-dedans? Moi, j'entends pas de puits, moi. C'est quoi? C'est comme si tu faisais un foot et que
et que genre tu mettais un putain de puits devant les cages. Tu comprends? Bof. Prends les trois mousquetaires. C'est comme si tu rajoutais un héros qui a rien à voir avec le titre. D'Artagnan? Même putain, c'est mathématique. Les ciseaux, ils coupent la feuille, elle recouvre la pierre, elle éclate les ciseaux. Qu'est-ce qui se passe si tu mets un putain de puits? Les ciseaux, ils tombent dedans, la pierre, elle tombe dedans. Donc statistiquement, t'as beaucoup plus de chances de gagner avec le puits. Qu'est-ce qui va se passer? On va tous les deux faire le puits, ça va devenir le jeu du puits. Puits, 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 puits. Oh, quelle surprise, t'as fait un puits aussi, fils de... Attends, attends, ne mets pas de l'essence aujourd'hui. Hein? Comment ça? T'es en réserve? Non, non, ça va, je voulais juste compléter. Alors attends plutôt le lundi. Ah ouais, pourquoi? Les gens viennent, pchit, alors qu'ils peuvent économiser quelques centimes. Heureusement que je suis abonné à Mazdaq. Get ça. Eh bien, d'après une étude, le lundi est le jour de la semaine où les prix des carburants sont au plus bas. De plus, il est conseillé de faire son plein le matin, car le volume de l'essence varie selon les températures. Comment ça? Bah, plus il fait chaud, plus les carburants se dilatent et prennent place dans le réservoir. Donc pour que le litre de carburant équivaut au moins à un litre, il vaut mieux faire son plein lorsque les températures sont plus basses, c'est-à-dire le matin. Waouh, merci mon gars, tu m'as fait économiser quelques euros. Mais comment t'as su ça toi? Je suis abonné à Mars, tac. J'aspire, hein. Tu fais ouais, de droite tu fais de à là gauche. À là. Sans regarder. Je suis ça? Oui. Et tu nous dis ce que c'est? Non, t'as pas le droit de sentir. Non, c'est un tâche avec le goût, pas l'odorat. Fruits, mais je sais pas quoi. Non. Ouais. C'est pas de la pomme. C'est... Oui. Poire. Poire. Pomme-poire. Génial. Pour l'instant, allez, le deuxième. Ah, il faut encore boire, hein. Ouais. Mais je prends des petites gorgées, tu en as quatre après, ça va. Oh, il pique lui! C'est pas du coca? Non. C'est pas wasti? Non, ça pique pas le wasti. J'ai jamais goûté. Ça, c'est pétillant. Qui pétille? C'est amer, c'est quoi? Non, c'est sucré. C'est de la San Pellegrino à un fruit. Ah, je connais pas. Lui, je le connais pas. C'est à l'orange. Non, c'est du pamplemousse. De la pêche. Non. Non. Ah, pas du tout. Il y a trois ingrédients. Non, mais elle va en trouver un, je pense. Framboise. Oui. C'est que j'en bois jamais, moi, de ça sucré, oui. Avec le diabète. Oui. Ce soir, j'ai 2 grammes. Eh oui, ça fait que je connais pas trop les. Ça, framboise. Je te donne, c'est PCF. Poire. Non. Non. L'autre? Pomme. Ouais. Pomme, framboise et le C. Il y a quoi comme fruit qui commence par C? Cerise. Non. Non. Il y a un casino. Ça peut être une... Cassis. Il est meilleur? Ouais, ah, tu non. Pour une conne, toi. Non, normalement, tu trouveras plus facilement. Mais non, je peux pas trouver facilement. Oui, non, mais ça, je pense que connais tu connais. Pas. Le com. Mais quoi? Ah, c'est infect. C'est quoi? Tu vas pas regarder. Je sais pas. Tu vas pas regarder? Non, non. Tu reconnais pas le goût? J'ai même pas avalé. Oh! Qu'est-ce que c'est, cette incurie que vous m'avez fait là? C'est des cornichons. Ah, c'est des cornichons. Allez vous faire inculer. Bon, les cornichons. Bah. Oh Madonna! Oh, il te plaît celui-là, hein? Le premier? Apportez-le.